Je les ai laissés aussitôt après. Et je suis rentré, à pied. Les froids et vents me giflant tout le trajet sans que je leur en veuille pour autant. Au contraire. Elle dormait encore. D'un sommeil apparemment calme, elle avait dû m'attendre quelques heures cette nuit avant de céder au sommeil. Apparemment calme, maintenant. Oublié tacite de tout énervement jusqu'au réveil. Puisque demain matin, elle m'aurait engueulé. Sans aucun doute, et comme à chaque occasion pareille. Rare, pourtant. Mais il lui aurait bien fallu m'engueuler, ne serait-ce que pour entretenir encore cette illusion d'être encore important l'un pour l'autre. Je l'ai regardé dormir quelques instants. Je ne sais pas exactement combien de temps, je ne sais même pas si c'est à décompter en minutes ou en heures. J'ai pas pleuré, je crois. Je suis reparti. À pied. À l'instant. Retrouver mes froids et vents et vers je ne sais encore où. Peut-être. Peut-être rejoindre Steph. On ne se connaît à vrai dire pas, mais une idée comme ça, à l'instant. L'idée que Steph, au moins, saurait peut-être au moins me faire souffrir. Enfin. Going away, smiling, thinking of our life, how we were good for each other, how we knew. When I came to you, I was all black and blue. Just smiled and said your love was true. We had a great time, didn't we? Never knew this was how it would be. Cynthia, écoute Val, je parle à Dom, s'il te plaît, ok?
Je peux mettre quelque chose? Oui, oui. Réfléchis, réfléchis. Parfaitement, Denis, la poésie. Désolé, je n'ai que ça. Réfléchis, tu verras. Si tu en rachètes de toute façon, t'auras qu'à me dire la marque que tu préfères. Ouais. Et tu trouves, toi? Et ta lanzana? Ouais. Ça, ça, c'est génial. Réfléchis, Dom, tu verras, j'ai raison. Bon, je me sers alors. Parce que là... Mais là, sans plaisir, si tu veux. Tu me remettras un verre, tiens. Là, je suis... Là, je suis sérieux. Là. Au fait, Steph. Ouais. Donc réfléchis, tu verras. Tu sais que tu es génial, toi. Merde. Non, vraiment, t'es génial, y a pas de tout. Et en plus, tu as remarqué que t'avais pas un seul disque, ni Brel, ni Brassens, ni Ferré. Mais t'es trop génial, toi. Hein? On était couchés. On ne s'était pas couchés très tard ce soir-là. Je ne sais plus si je dormais vraiment. Je crois en fait que je devais plutôt me faire une petite bravade d'avant-sommeil où je dis ça y est, toutes les quatre vérités du monde à tous ceux qui me font peur le jour, d'une manière ou d'une autre. Là, chaque soir, on chausse sous la couette et la main gauche sur la fesse gauche de Marie parce que je dormais à droite et elle sur le ventre. Là, parfois, je me les faisais, ceux-là. Les collègues, les queues de poisson de mon chemin, les voisins et leurs tuyas. Droit dans les yeux, c'était. Et le mot clair, la poitrine bombée. Et d'ailleurs, j'étais toujours plus grand qu'eux à ces heures-là. Et je me les referais, d'ailleurs, plus tard. L'un ou l'autre, certainement au hasard de quelques lignes d'un futur roman, où ils connaîtront enfin le sort que je leur réserve. Bien planqué sous la couette ou... derrière un clavier. Enfin bref, le sommeil ou presque lui. Pour Marie, je ne sais pas. Je ne faisais pas trop attention. Et ils sont entrés, deux, plutôt grands, un par personne. Ils avaient pris soin d'amener du scotch et de monter deux des chaises du salon. Le scotch, c'était du gros, argenté. Je ne sais même pas où ça s'achète du scotch comme ça. En quincaillerie, sans doute. Je ne sais pas. Le temps d'émerger, et j'étais déjà sur une des deux chaises du salon, et ce gros scotch argenté des pieds au torse et autour des poignets, derrière mon dos, et ce putain de regret de toujours vouloir dormir à poil. Ils m'ont collé un morceau de plus sur la bouche et j'ai enfin pu tourner la tête à droite, vers Marie. Sa chaise à elle, son scotch, son goût salvateur à elle, du t-shirt culotte pour dormir, ses larmes aussi un peu, très longues et droites, juste une ou deux pareilles. Elle était jolie, Marie, comme ça. Je n'avais rien de précis en tête à ce moment-là. Juste une forme d'ébahissement, mais pas vraiment la peur. J'attendais un peu de calme pour ça, que ça s'agite un peu moins. Avoir 5 minutes à moi pour me rendre compte tranquillement du danger. Je n'avais pas froid non plus. Mes gouttes à moi étaient de sueur. L'été, et puis d'avoir été trimballé de force jusqu'à me retrouver englué sur cette chaise. Malgré la sueur, mon scotch tenait et m'a rapidement démangé. Première sensation désagréable de ce soir-là dans mon souvenir. Ils ont fouillé un peu partout, sont sortis parfois de la chambre à tour de rôle, et pour y revenir chaque fois rapidement, passer quelques bruits sourds dans les pièces voisines, de meubles ou de cintres qui tombent, de pas, tranquilles. Ils prenaient leur temps. Ils l'avaient, il n'était pas si tard, il ne faisait pas tant de bruit.
n'y aurait jamais d'alerte. Il le savait. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, ni même s'ils sont repartis avec quelque chose entre les mains à la fin. Je ne sais plus que ce qui s'est passé juste avant. Une petite vingtaine de minutes avant. Je ne sais plus que ça. Depuis chaque seconde devant mes yeux. Une tâche se balade au premier plan de mes regards qu'ils aillent. Comme un symptôme avant-coureur d'une cécité prochaine qui ne vient pas. Qui ne viendra pas. Sauf si je me décide enfin à la provoquer moi-même enfin. Seulement, je ne suis même pas sûr que cela me soulage seulement un peu. Par exemple, moi, ben tu vois, je crois pas du tout au shampoing. Mais qu'est-ce que tu racontes encore, toi? Et si, tu sais, là, tous les trucs pour cheveux en tissu, cheveux colorés, pour un sèche, tout ça. Et bien, tout ça, je suis sûr que c'est le même shampoing dans des bouteilles différentes à chaque fois. C'est juste un truc marketing. Ben voyons. Mais ouais, mais c'est génial, ça. C'est génial, ta théorie. Tu ressens ça? Ah ouais. Attends, en plus, c'est vrai. Tous ces noms de plantes, là, personne n'en a jamais entendu parler avant. Tout à coup, on dit que c'est bon pour tes cheveux, alors tout à coup, tout le monde y croit. C'est pas un truc marketing, ça? Mais ouais, mais genre le jojoba. Ouais. Bah, c'est génial, ça, le jojoba comme nous. Hein? Ouais, et aussi le Masoya Balsam. Tu sais ce que c'est, ça? Ouais. Le Masoya Balsam? Eh, y'en a un d'entre vous qui peut me dire à quelle gueule ça a, où ça pousse et tout ça? Sans déconner? Moi, je peux te dire que j'ai un shampoing en calendula et ça marche super bien. Ça marche pourquoi? Pour les cheveux, pourquoi tu veux que ça marche? Et il y a la kératine aussi. Oh. Ah ouais, la kératine, mais c'est génial ça, la kératine. Ouais, mais sauf que la kératine, c'est pas une plante. Ouais. Non, et puis attendez, sur les bouteilles de shampoing, il y a toujours marqué usage fréquent. Mmh. Moi, j'ai jamais croisé une bouteille où il y avait marqué usage sporadique ou tous les 2 ou 3 jours. Ouais. C'est pas du marketing ça. Tu vois, Dom, ce que dit Loris là, ça me fait penser à cette phrase que tu as dans La vie sans moi. Celle où tu dis, l'homme est toujours un client. Je connais par cœur ce livre. Oui, excuse-moi, mais il me semble que c'est plutôt l'homme est toujours un client en amour que Dom a écrit, tu sais. Ouais. Ouais, mais quand même, non, Dom. Du beau mort. Achète du beau mort la prochaine fois. J'étais à vélo. Et comme à chaque trajet, de toute façon, hein. Et vous me connaissez, hein. Rien d'original. Vous me connaissez, c'est un peu de ma vie de vélo. Partie de moi et indispensable chaque jour. Et jusqu'à vous en faire rire de moi d'ailleurs. Son absence une journée, et alors des douleurs plein le corps. Des fatigues et sueurs et ce mal à respirer. Tout en somme que je connais sans lui. Mais en dur. Quand avec lui, ben, c'est bon. Que ces fatigues sont mon plaisir, ces sueurs, ma chaleur, l'étouffement passager un peu de mon souffle vital. J'étais à vélo, lancé en pleine descente, la gueule déformée par le vent, aveugle ou presque les sourds à tout. Lèvres cirées pour m'éviter de bouffer des essaims bestioles. Et le cœur qui toque comme il toque à chaque descente de ce plaisir et de cette impression à chaque descente de risquer quelque chose. Et ma vie peut-être. De cette peur de peut-être en mourir qui fait tout mon plaisir. Mais il n'y avait pourtant ni plus ni moins de risques ce jour-là que d'autres. Et le risque ne s'était finalement qu'une ou deux fois vérifié. Une ou deux fois et sans trop de dégâts au fond. Quelques hématomes. 2 ou 3 dents cassées, une fois de mes 12 ans. Et une épaule luxée quelques années plus loin. Elle ne l'a même pas grillée, c'est ça. Je l'ai juste... Je sais pas pourquoi, peut-être juste parce qu'elle était juste grosse, cette bagnole. De riche, cette bagnole. Le prix de plusieurs centaines de vélos. Et alors, je me la suis cru toute permise.
jusqu'à m'en griller ce stock qu'elle n'a pas le moins du monde grillé, mais mon délit de grosse bagnole et du coup un écart à ma parfaite descente, à ma ligne si droite, si rapide et têtue, et là je chasse à l'arrière, et là un soleil, un grand soleil, très joli soleil à voir, j'imagine. Je retombe. Ah. Réalise très vite que je peux encore réaliser. Réalise ma douleur, mon genou droit. Ce n'est pas que je ne le sens plus, bien au contraire, je le sens. Je n'aurais même jamais imaginé qu'on puisse sentir quelque chose à ce point. Mais au bout du compte, c'était pas si grave. Rien d'irrémédiable. Je le retrouverai, mon genou, bientôt. Et intact, bientôt. Il est d'ailleurs en pleine forme ce soir. Une pleine forme de genou gauche. Mais nom de Dieu, à l'instant de ma chute et à chaque instant des jours suivants, nom de Dieu, ce qui pouvait gueuler mon genou droit. Non. Pas d'inquiétude, mes amis. Mon exposé ne s'arrête pas là. Et même si très honnêtement, vous m'auriez demandé ce jour-là ou l'un des tout suivants quelle a été la pire douleur de ma vie, très honnêtement, je ne vous aurais pas parlé de mort ou de cœur ou de mort du cœur. Non. Très honnêtement, je ne vous aurais parlé que d'un simple genou. Mais si je vous en parle aujourd'hui où je ne sais même plus si c'était une rupture ou une fracture ou une entorse ou... Si, pardon, une rupture. Je m'en souviens parce que je me souviens m'être dit que le terme était bien choisi. Que seule peut-être une rupture amoureuse pouvait faire aussi mal que ça. Peut-être. C'est du moins ce que je croyais à cet instant précis. Non, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'à ce genou, tout est finalement lié. Que ma souffrance d'encore aujourd'hui, ma pire douleur dont tu nous demandes par jeu de parler ce soir, est née de cette incroyable douleur-là, de ce moment-là, de cette rupture-là, qui n'avait rien d'amoureux. Je ne vous ai pas tout. Parce qu'il faut vous dire que j'ai ménagé un peu mes effets. Parce que je ne vous ai pas dit que ce jour-là, sur ce vélo-là, dans cette descente-là, ce jour-là, je me rendais à l'hôpital. Ce jour-là, quelques minutes avant de prendre mon vélo et cette descente, quelques minutes avant mon soleil, ce jour-là, ce matin-là, l'hôpital venait de m'appeler pour m'annoncer la mort de ma mère. Et je ne vous ai pas dit non. Je ne vous ai jamais dit, je crois, que ma mère était bien plus qu'un peu de ma vie. Elle était plus, bien plus que partie d'elle. Que ma mère était ma vie. La femme et la raison d'être. Que ma mère m'avait fait naître un jour des suites d'un accident amoureux dont elle n'avait jamais voulu souffrir et dont elle avait toujours voulu m'interdire de souffrir. Qu'à ses yeux, j'en étais à jamais la victime et certainement pas la cause ou la séquelle. Et toute sa vie, sans faiblir, elle a entretenu ce combat à me défendre acharné. Bien plus qu'à se défendre elle-même face au sourire, face à sa vie, seule à vie, face à sa beauté qui s'enfuyait
au rythme de sa graisse, enfuie de ses corps et visages. Mais lui resteraient toujours ses yeux, tout au fond de ses traits s'asséchant, et toujours ses yeux durs contre les choses et gens, à ma seule exception. Oula, pour moi, pour rien que moi, cette énorme douceur, increvable, ressuscitant la seconde de nos moindres tête-à-tête, de nos moindres corps-à-corps, dans ses bras comprimés. Car jusqu'à l'âge de mes 17 ans, à dormir comprimé dans ses bras, dans son lit, sous sa voix, qui ne disait quasi rien, un murmure ça et là pour mon oreille, ou pour elle-même parfois, à causer là aux absences. Là, l'absence le plus souvent de celui que je n'ai jamais vu. Quand son plus dur combat, quand sa plus haute lutte, elle la mena contre elle-même encore une fois. Lorsqu'un jour ou l'autre de ces 17 ans que j'évoquais à l'instant, lorsque ce jour-là, mon sexe m'expliqua sa préférence, ses besoins, ses désirs et ses désirs contraires. Je le compris. Je le compris si elle ne m'en dit rien, contraire aux idées reçues de ma mère, d'une éducation se vantant tolérante. Non. Elle n'approuvait pas ce que mon sexe me soufflait, m'imposait pourtant comme une urgence de mon âge. Elle n'aurait d'ailleurs pas beaucoup plus approuvé une obédience plus consensuelle au monde et à sa propre éthique. Ne voulait déjà pas que je lui substitue d'autres bras pour d'autres nuits, et savait qu'elle ne trouverait de toute façon plus le sommeil sans le creux de ma face à notre traversée. Mais quitte à dormir ou à ne plus y parvenir, parce qu'à traverser un lys à sa joue droite, qu'une ère glaciaire à ses soirs, quitte à ça, elle aurait mieux admis sans aucun doute que les corps m'hébergeant ailleurs d'elle aient au moins des seins assez lourds pour amortir mes nuits. Mais non, que voulez-vous ? Mon sexe alors me guidait vers des poitrines en morne plaine, à niveau presque exact de ventre dur à mon idéal. Quant au bas de ses ventres, s'érigeant pour ma gorge, j'aspirais à des os que lâche cette fois, refusant le combat cette fois, ma mère chassait de sa tête aux heures où la mienne s'y frottait. Elle n'en disait rien, je l'ai dit. N'en a jamais rien dit. Jamais. Et ni de nos retrouvailles pour un sommeil hebdomadaire au moins. Ou là, tout contre sa nuque, je lui contais mes joies, mes bonheurs, et sans pitié pour son dégoût, mes douleurs, immondes parfois, et ces douleurs qu'elle, malgré tout et son dégoût, qu'elle pensait pourtant chaque fois, d'un seul de ses murmures, d'un seul de ses regards, d'une seule de nos nuits. Et ça parce que sa morale historique, sa croyance, assénée par l'enfance en un devoir d'amour mixte. Et ça parce que ses morales et croyances n'ont jamais su faire le poids face à mon droit divin et à son but persuadé. Je demeure heureux. Qu'elle n'ait de cesse en cela de m'y aider par tous les moyens. Et ça, parce qu'elle s'était convaincue qu'il lui fallait, s'il le fallait,
sacrifier sa vie pour son enfant. Et elle avait compris que sacrifier sa vie, c'était pas seulement se serrer la ceinture le temps d'une existence. Sacrifier sa vie, c'était bien plus essentiellement apprendre à se renier jusqu'au plus profond de soi, jusqu'à l'ancrer, au tatoué, surtout l'âme. Et c'était, s'il le fallait, assassiner sa conscience pour m'offrir d'être heureux. Et il le lui a fallu. Et elle n'a pas hésité un instant. Pour qu'un jour, finalement, à tellement et tellement longtemps s'assourdir corps et cœur et âme, pour qu'un jour, finalement, ses artères en conviennent de rester bouchées. Jusqu'à en convaincre son corps entier de se boucher bientôt. Et alors son corps entier, envahi, infesté de bouchons. Et alors son corps entier, entièrement...